Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lipstick tech du mois. Et ce mois-ci le thème est tout trouvé puisqu'on va parler de nos rouges à lèvres favoris pour le printemps. Donc moi au printemps je suis très très rose, enfin toute l'année je suis très très rose, mais au printemps particulièrement. Et c'est la période où je profite pour ressortir tous mes roses favoris. Et j'aime beaucoup au printemps le Fini Glossy qui est plus léger, plus frais. Et c'est vrai que ça correspond tout à fait à la saison. Autant en hiver j'aime le mat, autant au printemps je préfère les finis un petit peu plus brillants et glossy. Donc bonne nouvelle pour les petits budgets, la sélection du mois va vous ravir parce que j'ai plutôt des rouges à lèvres à petit prix, à part un de luxe, parce que bon, j'ai craqué. Donc le premier rouge à lèvres de ma sélection, il s'agit de celui-ci. Il s'agit d'un rouge caresse de chez L'Oréal en teinte Aphrodite Scarlet. Donc globalement les rouges caresses de chez L'Oréal, je les aime énormément, j'en ai 3. Et c'est des rouges à lèvres que je trouve très faciles à porter parce qu'ils ont une texture très agréable. En fait c'est des petits rouges à lèvres glossy qui n'ont pas une très forte pigmentation, qui vont venir un petit peu apporter la couleur en transparence sur les lèvres, ce qui fait que c'est vraiment facile à porter en toute occasion. Donc du coup la teinte Aphrodite Scarlet, il s'agit d'un joli rose un petit peu corail que je trouve vraiment très très mignon. Vous voyez c'est un petit peu un rose rouge un petit peu corail un petit peu chaud qui est vraiment très chou sur les lèvres. Donc je trouve qu'il fait une jolie bouche en toute discrétion, c'est vraiment le rouge à lèvres que vous pouvez avoir en toute occasion dans votre sac à main. Il fera toujours une jolie bouche. Donc ça c'est ce que j'apprécie, c'est vraiment un petit rouge à lèvres tout terrain pour toute occasion. Et j'avoue que c'est un de mes petits rouges à lèvres favoris. Donc au niveau de la texture elle est très fine, elle se sent à peine sur les lèvres. Comme vous voyez c'est un fini qui est semi-transparent, on n'est pas du tout sur quelque chose de couvrant. Ça vient vraiment déposer de la couleur mais ça fait un peu un effet sirop sur les lèvres. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le fini est plutôt glossy mais pas ultra brillant donc c'est facile à porter. Au niveau du confort j'ai vraiment l'impression de porter un baume à lèvres, c'est pas du tout asséchant, c'est très confortable. Du coup au niveau de la tenue c'est pas ultra fantastique parce que forcément un petit rouge à lèvres glossy, semi-transparent, vous attendez pas à une journée de tenue hein. Donc chez moi ça tient quand même facilement 2-3 heures, ça s'estompe joliment, ça laisse quand même un léger voile teinté sur les lèvres, donc même une fois le fini glossy parti vous avez toujours les lèvres qui sont un petit peu rehaussées par la couleur et ça j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur c'est une odeur qui est très discrète, ça a une légère odeur sucrée mais vraiment rien de très très prononcé, donc ça c'est pas un problème pour moi. J'aime beaucoup le packaging que je trouve très chou, il est semi-transparent sur un fond doré donc je le trouve plutôt classe et plutôt mignon. Et on a en fait une étiquette de couleur qui permet de voir laquelle c'est en plus du nom sur le cul. Donc ça c'est plutôt pratique dans son rangement arme rouge à lèvres, en tout cas moi, à moi ça m'est utile parce que comme j'en ai beaucoup. Et donc au niveau du prix, il faut compter en une douzaine d'euros en moyenne, ça va varier de 10 à 15 euros selon les points de vente. Je vous recommande pas du tout d'acheter ce genre de rouge à lèvres en parfumerie parce qu'ils sont généralement plus chers, ou alors il faut choper une réduction, mais sinon en supermarché généralement vous les trouvez pour entre 10 et 12 euros, donc c'est plutôt pas mal au niveau prix. Donc voilà pour ce premier petit rouge à lèvres qui à mon avis peut convenir à beaucoup de monde, notamment aux jeunes filles, aux débutantes ou à toutes celles qui n'osent pas forcément la couleur mais qui ont envie d'avoir quelque chose qui va un peu illuminer le teint, donner bonne mine pour le printemps et l'été, celui-ci est parfait. Donc le deuxième rouge à lèvres de cette sélection, il s'agit d'un rouge édition Aqualac de chez Bourjois que j'adore mais de tout mon cœur. Donc il s'agit de la teinte Babe Idol et ce rouge à lèvres est parfait. Alors, entendons-nous bien, ce rouge à lèvres est parfait. C'est-à-dire que j'ai testé d'autres rouges édition Aqualac qui ont été pour moi un gros flop, notamment les teintes très pigmentées qui n'ont pas du tout la qualité de celui-ci. Alors je comprends pas comment celui-ci peut être aussi réussi et les autres non. En tout cas celui-ci je vous le conseille à 100%. Donc les rouges édition Aqualac, ils ont le même packaging que les rouges édition Velvet de chez Bourjois qui avait fait un gros carton auprès de moi l'an dernier. Donc quand je les ai vus j'ai tout de suite eu envie de les tester, sauf que cette fois-ci c'est plus un genre de vernis à lèvres un peu brillant, un peu à la façon des vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Donc le Baby Doll c'est une très très jolie teinte printanière, il s'agit d'un petit rose très très frais, un peu qui tire un peu vers le corail, qui fait vraiment une bouche de poupée, je trouve que c'est vraiment très joli, ça fait un teint frais, ça fait vraiment une jolie mine, c'est typiquement le petit rouge à lèvres poupée comme moi j'adore. Donc globalement la teinte, gros coup de cœur pour ma part, mais également sur la texture. Je trouve que c'est une texture qui est très fine, un peu aqueuse,
qui vient vraiment donner un effet sur les lèvres hyper agréable. C'est-à-dire qu'en termes de confort, c'est génial. C'est pas du tout ni gras ni collant, mais c'est ça enrobe vos lèvres d'un truc hyper agréable qui vient vraiment les protéger. Donc quand j'ai les lèvres abîmées, celui-ci, je sais que je peux compter dessus, qui va vraiment leur faire du bien et être très très confortable à porter. Au niveau du fini, c'est quelque chose de très joli parce que c'est coloré. C'est quand même assez pigmenté et c'est un fini glossy qui est pas ultra laqué, mais vraiment moi je trouve que c'est un effet glossy qui est très très joli. Moi j'aime bien les bouches un peu brillantes, je trouve que ça a tendance à donner du volume et à donner de la fraîcheur au look, donc je trouve ça très sympa. Au niveau de la tenue, celui-ci a une très bonne tenue, c'est ce que je reproche d'ailleurs à ses autres petits copains. Celui-ci tient très bien, mais alors les autres c'est une catastrophe. Donc celui-ci, grosso modo, je trouve que la texture a tendance à se figer sur les lèvres et après elle ne bouge plus tellement. Le côté glossy s'estompe, mais vous allez toujours avoir la couleur qui va rester teinter les lèvres, donc ça c'est super agréable. Donc grosso modo, moi ça tient facilement 3 bonnes heures sur mes lèvres sans que j'ai besoin de faire de retouches, donc ça je suis contente. Et je trouve qu'il fait pas tellement de transfert. Avec celui-ci je peux faire des bisous à mon chéri et c'est pas la catastrophe, ni pour moi ni pour lui. Par contre les autres teintes, n'essayez même pas. Moi j'ai essayé le fuchsia et le rouge, oh mon dieu la catastrophe. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande mais pas du tout les autres. Au niveau de l'odeur, autant les rouges édition Velvet avaient une odeur pas forcément agréable, autant ceci, ça n'est pas du tout le cas. Ça a une odeur un peu fruitée qui est plutôt sympa. Il y a un petit fond d'alcool mais rien de bien méchant. Donc au niveau de l'application c'est plutôt sympa, c'est sucré, acidulé, c'est une chouette odeur qu'on remarque à peine mais qui est plutôt agréable. Au niveau du prix, et ben là c'est super parce qu'ils sont aux alentours de 12€, c'est pareil. Alors moi j'ai réussi à les choper à moins 50% sur l'e-shop de Bourjois, donc j'étais super contente. Mais c'est des rouges à lèvres plutôt petit prix. Encore une fois, achetez-les plutôt en supermarché plutôt que dans les parfumeries parce qu'ils ont tendance à charger la note. Rouge à lèvres suivant, il s'agit d'un Color Rush de chez Rimmel. Donc vous connaissez ma passion pour ces petits baumes à lèvres colorés. Ça fait à peu près un an que je les ai, que je les adore, que je les adule et vraiment j'en suis fan. Et bonne nouvelle, ils viennent de débarquer en France et ils sont d'ailleurs à gagner en concours sur le blog, donc super. Alors une de mes teintes favorites du printemps, il s'agit de celle-ci, donc c'est la... Je crois que c'est la I Want Candy. En fait je l'ai tellement mis dans mon sac à main que les écritures argentées sont en train de se barrer, donc je ne peux plus lire le nom, mais dans mes souvenirs c'est la I Want Candy. Et donc il s'agit d'un petit rose Barbie. C'est un rose froid, un peu flashy, qui est vraiment très très joli et que moi j'adore porter, en particulier à cette saison là. Donc vous voyez que j'ai déjà bien entamé parce que pour comparer avec une mine neuve, et ben voilà, j'ai perdu quasiment un demi centimètre. Donc oui, j'utilise mes rouges à lèvres, même si j'en ai 4000. Donc les Color Rush, si je les aime tant, c'est parce qu'ils sont à mes yeux les petits jumbo parfaits. Ils sont super pigmentés, vous voyez que voilà, on a vraiment quelque chose de très coloré. Sur les lèvres c'est pareil, ils ont un joli fini glossy qui est très mignon. Ils ont une excellente tenue, c'est-à-dire que le fini glossy a tendance un petit peu à disparaître avec le temps, mais les lèvres restent vraiment teintées et pendant ultra longtemps. C'est-à-dire que là si je l'enlève, bah, j'ai toujours les lèvres roses, donc ça c'est vraiment super. Et moi, chez moi, ils tiennent vraiment la demi-journée sans aucun problème, donc ça c'est vraiment cool cool cool. En plus, au niveau du confort, ils sont top, ça tiraille pas du tout les lèvres, ça les hydrate pas, mais vraiment ça les protège et ça les laisse confortables, donc ça c'est vraiment génial pour toute saison, que ce soit l'été, l'hiver, on s'en fout, on aime avoir les lèvres confortables. Au niveau de l'odeur, ça sent comme les rouges à lèvres MAC, donc c'est une petite odeur un peu de gâteau vanillé, donc ça j'apprécie. Et au niveau du prix, ils valent je crois 8,90€ en France, mais sont très souvent en promo sur Asos aux alentours de 5-6€, donc je dis ça, je dis rien, mais ça... c'est de la bombe. Le rouge à lèvres suivant est le seul rouge à lèvres de luxe de ma sélection. Il s'agit d'un rouge volupté Shine d'Yves Saint Laurent et je ne suis qu'amour pour ces rouges à lèvres. Alors je sais, vous allez me dire, t'es amour pour tous tes rouges à lèvres. Non, c'est que je vous présente la crème de la crème, les filles. Donc les Voluptés Shine d'Yves Saint Laurent, c'est de la bombe, et en particulier cette teinte en ce moment sur laquelle je fais une véritable obsession. Donc il s'agit de la 19
Fuchsia in Rage. Et donc dans le tube comme ça on dirait un violet assez foncé qui serait un petit peu effrayant à porter, mais en fait pas du tout, c'est plutôt un espèce de fuchsia qui tire un peu sur le violet. Donc vous l'avez juste ici sur ma main, je pense pas que vous voyez bien, mais de toute façon comme d'habitude je vous fais un zoom à la fin où vous vous rendrez bien compte de la couleur. Donc j'adore cette couleur, je trouve qu'elle est très fraîche, très printanière, je trouve que c'est un violet facile à porter qui sublime un peu le look, mais sans qu'on vous regarde bizarrement dans la rue en mode la meuf elle porte du violet quoi. Donc les Volupté Shine ils sont géniaux parce que c'est pigmenté mais en transparence, donc la couleur elle laisse une certaine transparence sur les lèvres, ce qui fait que ça fait vraiment un effet bouche sirop qui est très très joli. Ça a tendance à repulper les lèvres et faire quelque chose de très frais, très glossy, très mignon, que moi voilà, c'est vraiment un fini que j'adore. Au niveau du fini, c'est donc un fini glossy légèrement transparent qui est très confortable sur les lèvres. C'est vraiment, voilà, on a l'impression que les lèvres sont protégées, donc c'est très très agréable. Le fini a tendance à s'estomper mais les lèvres restent teintées par la couleur, donc ça c'est top. Ça a tendance à légèrement se massifier au fil des heures. Sur moi ça tient facilement 3 bonnes heures sans que j'ai besoin de faire de retouches, donc je trouve ça tout à fait correct pour ce type de texture. Au niveau de l'odeur, c'est une tuerie, ça sent la mangue, c'est vraiment une odeur que j'adore, c'est hyper gourmand, hyper fruité, hyper agréable. Le packaging, n'en parlons pas, hein, je veux dire c'est de la bombe. Je veux dire, ça dans un, tu sors ça de ton sac à main, tu te la pètes trop. Oui, moi je me la pète pour pas grand chose. Donc voilà, je suis fan. Là où ça se gâte c'est au niveau du prix, parce que maintenant ils sont à 32€ je crois sur Sephora, donc attendez un petit moins 25% pour vous faire plaisir, parce que malgré le prix ils valent le coup. Donc là vous voyez, j'ai rien sur les lèvres. Ça c'est juste le cumul des 4 précédents rouges à lèvres qui teintent tous les lèvres, et donc maintenant j'ai les lèvres rose flashy naturellement. Hein, j'ai pas de texture, il se passe rien. Donc quand je vous dis que ça teinte les lèvres, c'est pas de la blague. Et le dernier rouge à lèvres de cette sélection, c'est encore un rouge à lèvres à petit prix signé Rimmel, puisqu'il s'agit d'un de leur Lasting Finish by Kate Moss. Donc là il s'agit pas de la gamme de matte mais de leur gamme classique, qui est de rouge à lèvres crémeux au fini satiné. Et il s'agit de la teinte numéro 20, qui est un magnifique fuchsia. Donc moi j'ai une passion pour le fuchsia. Je pense que si je regarde dans mes tiroirs, je dois en avoir beaucoup, genre une dizaine, un truc comme ça. Mais c'est vraiment une couleur sur laquelle je fais une véritable obsession, et donc je me lasse pas du tout. Je trouve que c'est vraiment joli sur une brune. Je trouve que ça donne un coup de peps, et que comme aujourd'hui avec un trait liner, je trouve que c'est vraiment très très joli. Enfin moi c'est un look que j'adore. Donc ces rouges à lèvres là, je vous les conseille également à 100%. J'en ai également 3 parce qu'ils sont vraiment d'extrêmement bonne qualité pour un tout petit prix. Donc au niveau de la couleur, voilà, c'est un fuchsia flashy. C'est un peu dans la même veine que le Anarchy d'Urban Decay que j'adore, que le Chiap de Nars, que tous ces fuchsias vraiment très flash qui sont très très jolis. Et je trouve que c'est une teinte qui est parfaite pour le printemps. Au niveau du fini, c'est quelque chose de très pigmenté, qui a un fini satiné. Ça a tendance à légèrement se matifier au cours du temps. Et malgré tout, c'est quand même confortable. C'est-à-dire que ça sèche pas du tout les lèvres. La tenue est bonne, ça tient facilement 4 heures à peu près sur moi sans que j'ai besoin de faire de retouches, et il a pas tendance à s'estomper de façon dégueu, il reste bien uniforme, donc ça c'est top. Je trouve que c'est confortable parce qu'ils assèchent pas, mais aussi on les sent pas tellement sur les lèvres. C'est à dire que la texture est très fine, c'est pas quelque chose d'épais qu'on sent sur ses lèvres, donc ça c'est quelque chose qu'on peut oublier, et ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'odeur, ils ont comme d'habitude une odeur un peu chelou de fruits, un petit peu chimique, genre fruits rouges un peu bizarres, que moi j'apprécie pas tellement mais qui me dérange pas plus que ça non plus. Et au niveau du prix, vous pouvez les trouver aux alentours de 8€, et c'est pareil, souvent ils sont en promo aux alentours de 5€ sur Asos. Donc moi je vous conseille de guetter les promos et de vous faire plaisir à ces moments là, parce que 5€, mais qu'est-ce qu'ils valent le coup quoi, ce niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Donc voilà les filles pour cette petite sélection de rouge à lèvres printanier. J'espère que ça vous aura fait plaisir qu'il y ait des petits prix, mais c'est vrai que moi qui suis une grande fan de rouge à lèvres, j'aime autant les rouges à lèvres à petit prix que les rouges à lèvres de luxe. Je trouve qu'en supermarché on trouve vraiment des choses génialissimes. Je trouve que Rimmel se débrouille extrêmement bien, Bourjois, Maybelline et L'Oréal, c'est vraiment des marques sur lesquelles vous pouvez foncer les yeux fermés, dans lesquelles on trouve vraiment des trucs topissime. Et moi j'ai à peu près autant de rouges à lèvres de supermarché que de rouges à lèvres de luxe, et je les aime à peu près autant les uns que les autres. Donc voilà les filles qui terminent cette vidéo, n'oubliez pas d'aller voir celle de Laurane, puisque comme d'habitude on les fait en collaboration, donc elle aussi vous a sélectionné 5 rouges à lèvres printaniers. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous à toutes, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.